Argon, écoute-moi. Hassan va venir avec moi. Laisse, Argon. Je m'en occupe. Merci, Varam. Varam ? Vous êtes deux. Je vois. Tu as trouvé des plumes. Mes visions étaient donc vraies. Je ne connais pas tes visions. Mais je sais que tu ne t'attendais pas à ça. Laisse, Hassan. Je m'en occupe. Varam, le lion blanc, ne mérite plus d'être un immortel. Et encore moins un roi. Sargon, attention! Oh! Anahita, non! Non, n'y va pas. J'ai besoin de toi en vie. Tu te prends pour qui? Tu n'es rien sans moi. Un chien errant ne mérite pas ses pouvoirs. Les plumes du Simorgue ne te sont pas destinées, ni à aucun mortel. Le Simorgue n'existe plus. Ses pouvoirs me reviennent. À moi seul. Mon tour. Jason ! Arrête ! Tiens. Jason ! Sois témoin. Assez ! Thank you.
appartient. Assez. Mon fils, tu vas recevoir la bénédiction du Simorgh. Puis, selon notre tradition, je révélerai ton nom de roi. Puissant Simorgh, protecteur de notre peuple, moi, Darius, viens te présenter mon fils. Si tu le juges digne, un jour, il deviendra roi. Le règne de la dynastie Darius est terminé. Domiris, que fais-tu ? Domiris ! Non ! Tu dois vivre. Tu es le prince légitime. Je préfère laisser ces titres insignifiants aux humains. Je ne fais plus partie de votre monde. Le Simorgh n'est plus. Il est de mon devoir de récupérer ses pouvoirs. Car celui qui les détient sera l'égal d'un dieu. Tu perds complètement le contrôle, Varam. Ces pouvoirs sont les miens de droit. Nous n'avons pas fini, Sargon. Anahita. Pourquoi avoir trahi ? Elle ne l'a jamais fait. Mais quelle importance maintenant ? Elle a été dure avec nous. Mais elle a donné sa vie pour nous. Je sais ce que tu penses. Qu'est-ce que tu vois au bout de ta lame ? Je crois que je comprends maintenant. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Hassan, j'ai quelque chose à te dire et j'ai besoin que tu me croies. Sargon, je crois que tu es la seule personne en qui je peux avoir encore confiance. Tomiris, ta mère, elle a usurpé le trône.
Le Simorgue ne s'est jamais perché sur son épaule. Hassan, je suis désolé. Ne le sois pas. Je n'ai jamais trouvé qu'elle portait bien son titre, ni qu'elle soit une bonne mère. Le peuple a souffert depuis 30 ans sans le Simorgue, par sa faute. Je suis désolé pour ta préceptrice, Anaïda. Elle m'a dit qu'elle avait suivi les ordres de Tomiris. Alors, Anaïda a été manipulée, tout comme j'ai subi des pressions pour sauver les apparences. Pourquoi m'avoir enlevé ? Il y a encore une chose. Je t'écoute. Varam est le fils du roi Darius. Tu penses que c'est pour ça qu'il a essayé de me tuer ? Par vengeance ? Tout ce que je sais, c'est que maintenant on connaît son vrai visage. Il est peut-être l'héritier légitime, mais il est bien trop dangereux. Il faut l'arrêter. Tu as raison. Nous devons protéger le peuple par-dessus tout. Je peux t'aider avec ce que j'ai appris dans les légendes et les écrits. Varam a parlé de pouvoir. Cela signifie qu'il recherche le cœur du Simorgue. Il est derrière la porte du Simorgue. Mais pour l'ouvrir, il te faudra la clé des rois à la tour du silence. Alors je dois la récupérer. Hassan, tu m'aides plus que tu ne le crois. Bonne chance, mon ami.
Un guerrier arborant une écharpe royale? Quel honneur! Je suis Mariam, architecte royale de la citadelle, nommée par le roi Darius en personne. Allez, à ton tour. C'est un honneur de te rencontrer, architecte. Mais alors, les pièges, c'est toi qui les as conçus? Ah, un admirateur. De rien. Oui, les énigmes, les fortifications sont ma spécialité. Il faut bien protéger la ville des maraudeurs. Et la ville cache bien d'autres choses encore. L'ascenseur? Une idée à moi. Vraiment impressionnant. Même si parfois un peu dangereux. Les vraies merveilles sont dans mon atelier. Je suis sûre... je ne peux pas les montrer à n'importe qui. Il faut se montrer... J'ai caché des trésors un peu partout. Découvre-les tous et je t'inviterai dans mon atelier. Merveilleux, tu ne seras pas déçu. Enfin, peut-être que oui, si tu échoues. Mais dans ce cas, tu admireras le génie qu'il a créé. Allez, tu es déjà bien parti.